je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin ou chaque soir, quand on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Je suis très très heureux de vous retrouver après quelques 2-3 jours d'absence, liés notamment à quelques petits problèmes techniques quand même que nous avons eus et que nous avons réussi, mes équipes et moi, à décompter. J'espère que votre son est bon, l'image elle est bonne et que vous nous regardez, vous nous entendez, vous nous suivez dans des bonnes conditions. C'est un travail de fourmi qu'on est obligé d'abattre tous les jours je vous dis, pour être présent et vous servir. Il faut bénir le Seigneur qui nous prête le souffle de vie et surtout qui nous donne l'énergie et la force de pouvoir tenir. Je voulais... vraiment, la main sur le cœur, une fois de plus, vous dire très sincèrement merci. J'ai rigolé un peu parce que hier, il y a quelques jours quand même, 2-3 jours, je crois, 4 jours, j'ai décidé de relancer les sites d'information des CPL. Vous pouvez donc aller également suivre là-bas les infos des CPL. Le site, c'est cplnews.net, qui est donc un site d'information d'actualité que nous avons... lancé depuis longtemps à Kinshasa, qui fonctionnait correctement, mais après tout ce que nous avons eu, il était donc difficile de pouvoir continuer à l'animer. Mais là, j'ai donc décidé de le relancer. Je vous prie, vous tous qui me regardez, si vous avez aussi besoin de vous informer utilement, n'hésitez pas à aller donc à cplnews.net. Alors, ce matin, il y a un petit à moi, un frère à moi qui m'appelle des... bon, je ne vais pas citer son nom pour ne pas les mettre en insécurité là où il est, qui m'a écrit un message qui m'a fait chaud au cœur. Il m'a dit, mais il était en train de lire un de mes articles. J'ai écrit un bel article hier, je vous conseille vraiment. C'était hier, je vous conseille vraiment d'aller lire sur M. François Béat. Le titre, c'était François Béat en France, quelque chose comme ça, François Béat en France. Les coulisses d'une sortie sans passeport qui a surpris et étonné Hervé Mbelou. L'article est sur notre site. En fait, je suis en train d'expliquer un peu les coulisses de comment M. François Béat est sorti du pays. Il avait un problème de passeport. Mbelou, qui est âgé de la nerf, a décidé donc de bloquer son passeport. Bon, je ne vais pas le faire ici. Je ferai peut-être un décret là-dessus, mais je voulais seulement vous inciter à aller nous lire. Et... aujourd'hui, j'ai également écrit un autre article qui fait d'ailleurs l'objet de ces décrits. Vous aurez les informations dans ces décrits. Alors, le garçon, il est en train de me lire et puis il me fait un texto. Il me dit, mais tu es fort, comment tu trouves l'énergie pour faire tout ça? J'ai rigolé, je lui ai dit que c'est tout simplement la passion. Les amis, il est aujourd'hui difficile de voir des Congolais qui sont passionnés pour quelque chose, qui sont passionnés pour leur pays, qui sont passionnés par rapport à certaines idées qu'ils ont, par rapport aux idéaux, par rapport aux valeurs qu'ils veulent incarner, qu'ils veulent drainer. Je vous ai toujours dit, et je tiens à le répéter, qu'il faut à un moment donné avoir les raisons qui vous attachent à la vie. Des raisons pour lesquelles vous êtes prêts à vous donner, à sacrifier même, s'il le faut, votre existence pour le protéger. Quelqu'un me dira, moi ce sont mes idées, l'autre dira, ce sont mes enfants, ce sont ceci. C'est-à-dire que dans la vie, quand on n'a pas des raisons pour lesquelles on est prêt à aller au-delà des sacrifices suprêmes, on ne mérite pas de vivre. Et moi, le journalisme, c'est une question de passion. C'est un travail,
pour lequel j'étais à l'université, dans des conditions extrêmement difficiles, avec ma mère qui se battait pour que j'étudie, difficilement d'ailleurs. Donc, il y a une sorte de chair de poule quand je l'ai fait, et voilà, ça me permet non seulement d'exister en tant qu'individu, en tant qu'homme, mais aussi et surtout de me sentir bien dans un domaine que j'aime et que je suppose, je peux le dire très modestement, avoir maîtrisé. Ça fait quoi? Ça fait 17-18 ans que je suis journaliste quand même. Hein. On commence à faire un peu vieux, hein. Un peu vieux quand même. 17-18 ans. Bientôt, j'aurai 20 ans de métier. C'est pas peu, donc voilà, c'est cette flamme-là, cette passion, cet amour pour ce travail qui me permet de gravir des montagnes, de me battre et de vous rendre ce service. Donc quand je l'ai fait, je suis très très heureux. Allez, très heureux de vous retrouver, désolé pour ces petits moments de break, la situation a été décantée, on est donc bel et bien de retour. Vous allez retrouver vos émissions à l'OCPL et contre nous soit dit, des émissions que vous aimez comme d'habitude. Mais laissez-moi quand même, avant de commencer, vous demander deux, trois petites choses. Si vous êtes un habitué de cette émission, je vous vois, vous êtes sur votre canapé, vous rigolez parce que vous savez de quoi il s'agit. Bon, on va le bien bientôt. Et bien, sous Kagan, à Judith Londoli, à l'ingal, au baron, à l'obibon. Au moins, hein, au séki, pour Nazu, au Kanzé, au Pénabon, au Lobé, bon. En fait, la première des choses, la main sur le cœur, je vous demande très sincèrement de pouvoir vous abonner sur CPL Télévision. Abonnez-vous à notre chaîne CPL Télévision. Donc, je vous demande vraiment la main sur le cœur de pouvoir vous abonner à CPL Télévision. C'est aussi une manière pour vous de nous exprimer votre attachement, votre sympathie. Et ça nous permet de voir que les gens nous regardent, les gens aiment le travail que nous faisons, les gens s'abonnent. Aujourd'hui, on a regardé quand je voulais monter sur ce plateau, on était à 84 100 abonnés. C'est beaucoup. Mais par rapport à toute l'armée que nous sommes, les amis des CPL, je pense qu'on peut aller au-delà. Donc, abonnez-vous, regardez la personne qui est à côté de vous, que ce soit votre femme, votre fille, votre fils ou votre ami. S'il n'est pas encore abonné, s'il vous plaît, transmettez le message, dites-lui de pouvoir s'abonner et ça me fera énormément plaisir, ça me fait énormément de bien. Deuxième chose, et pour ça je suis même prêt à vous donner une minute, à suspendre l'émission pour que vous l'effaciez. S'il vous plaît, aimez la vidéo. Aimez la vidéo et partagez-la. Pourquoi je vous demande ça? Parce que il y a un certain nombre de gens qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité et qui sont contre le travail que nous faisons. Ils sont dans une logique de s'organiser pour actionner certaines, faire certaines actions de malfaisance pour nous mettre en difficulté et nous empêcher de faire ce travail. Donc, le simple like, le simple j'aime et le simple partage que vous ferez, et vous trouvez que c'est un geste, un petit acte. Mais dans le fond, c'est un acte extrêmement important qui peut nous mettre à l'abri de certaines actions, des malfaisances et des mauvaises foi de certaines personnes. Je vous en prie vraiment la main sur le cœur, aimez la vidéo et partagez-la pour nous protéger, pour protéger votre chaîne et pour nous permettre encore demain de se retrouver et de vous servir. Troisièmement, et c'est là que je vous rejoins, vous qui étiez en train de rigoler, s'il vous plaît, appelez notre amie Judith Londolé Betoko. Judith Londolé Betoko Betokos. Mon latis qui toko, mi lamba qui toko, yemoro qui toko. Judith Londolé Betoko, mon tokolilo. Mon latis qui toko, mi lamba qui toko, yemoro qui toko. Judith Londolé, c'est un partenaire très très privilégié, un partenaire en qui on a énormément confiance. On peut lui faire confiance aveuglément en fermant les yeux. Elle a une boutique extraordinaire qui s'appelle La Londoloise. Et elle est spécialiste en habillement homme. Tout ce qui concerne l'habillement homme, je parle des chemises, je parle des chaussures, je parle des pantalons, je parle des cinglés ou maillots de corps, je parle des chaussettes, je parle des montres, je parle de tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Toquez donc chez notre amie Judith Londolé de Toko. Commandez encore et encore si vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. C'est donc notre amie Judith Londolé de Toko, de Toko, de Toko Lilo. Moulati, c'est qui Toko, Bilamba, qui Toko, Yemoko, qui Toko. Donc, à commander chez Judith Londolé
Bitoko. Pourquoi je vous demande? C'est aussi une manière de me soutenir. Parce que comme vous le savez, nous n'avons pas un panier ici pour vous dire, venez avec vos offrandes, voici notre numéro de banque, faites ceci, faites cela. Non. Mais nous avons un partenariat avec la boutique La Londoloise qui nous permet d'une certaine manière de combler certaines exigences, de relever certaines charges. Quand vous vous appelez, vous commandez, nous avons les feedbacks et ça nous permet d'avoir un petit rien et d'acheter un micro, une pile et de venir vous servir. Sincèrement, je vous dis la vérité, si vraiment vous m'aimez, si vous pensez que vous pouvez me donner un coup de pouce, si vous pensez que vous pouvez me soutenir, je vous en prie, passez donc vos commandes auprès de notre amie Judith Londolé Betoko Betokos. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Les amis, aujourd'hui je viens pour qu'on parle d'une situation assez dramatique. Un pillage systématique du trésor public. Une opulence arrogante. Une action, une vie où la quête de l'intérêt individuel prend le pas sur les intérêts collectifs. Je viens donc vous parler d'une sorte de je veux dire, pas montage, c'est pas un montage, c'est d'un système mis en place à l'Assemblée nationale pour s'enrichir au dos et au détriment des peuples congolais. Je ferai donc un focus sur la manière dont l'argent du trésor public est saigné à blanc au niveau de l'Assemblée nationale. Kabound est parti, on l'a insulté ici, mais je vous dis la vérité que M. Kabound n'est pas encore véritablement parti. Les lignes qui vont suivre dans cette émission vont donc vous démontrer la méchanceté des gens qui sont à l'Assemblée nationale et surtout l'égoïsme de ce régime qui, chaque jour qui passe, donne des signaux d'un régime inutile, intéressé à l'enrichissement illicite et personnel. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi dire deux, trois petites choses sur l'Est de la République. Ça, c'est un rendez-vous, c'est un engagement sacré que j'ai pris avec vous. Les amis, je vous ai dit que je commençais très sincèrement, ça je l'ai dit vraiment avec mon cœur, je commençais très sincèrement à me sentir gêné, mal à l'aise, par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pourquoi je me gênais? Je me gênais parce que d'une certaine manière, j'avais l'impression, peut-être que ça change, je ne sais pas, peut-être que ça évolue, je ne sais pas, parce que j'avais l'impression que chaque jour qui passe, nous les Congolais on baignait dans une sorte d'inconscience. On commençait à s'accommoder à cette situation d'insécurité, à ces milliers de morts qu'on compte dans l'Est de la République, et je parlerai même des millions, parce que les statistiques parlent de plus de 10 millions de morts en deux décennies de guerre et de stabilité dans cette partie de la République. Moi, j'avais l'impression, ou j'ai senti, que nous, Congolais, on commençait à trouver cette situation normale. Tu vois, les gens ont l'impression que ça se passe à l'Est de la République. C'est à des milliers de kilomètres. C'est loin. Non. Et j'ai donc décidé, moi, de réfléchir sur ce que je peux faire pour, d'une certaine manière, apporter ma pierre de contribution à la quête du changement par rapport à cette situation-là. Je suis journaliste. Je ne suis pas chantre. Si j'étais chantre, certainement que je réserverais les mabanga et je ferais de la musique là-dessus. J'ai dit que mon travail, c'est mon micro. Mon travail, c'est la caméra. Il m'arrive de faire des émissions où on le regarde par des milliers de personnes. Pourquoi ne pas réserver les premières minutes de mes éditos? Parce que ici, il s'agit des opinions de M. Perro Louara à vous sensibiliser, vous tous, mes téléspectateurs, sur la situation dramatique dans l'Est de la République démocratique du Congo. Chers frères, chers sœurs, que vous soyez Congolais ou pas, je voulais, moi, comme fils de ce pays-là,
Je voulais, moi, comme Congolais de père et de mère, parce que les gens nous ont amenés sur le terrain de père et de mère, vous signaler que dans l'est de mon pays, ça tue, ça viole, ça massacre. Dans les 15 minutes que j'ai déjà prises depuis que j'ai commencé cette émission, il y en a des dizaines de personnes qui ont été décapitées, des maisons qui ont été incendiées, brûlées. Des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont rien demandé, des pauvres paysans, très actifs dans l'agriculture, dans l'élevage, qui ne demandent qu'une seule chose, vivre chez eux en paix. Mais ils sont pourchassés, ils sont assassinés pour des intérêts mesquins de certaines politiques, et aussi et surtout pour des décisions alambiquées, irréfléchies, que les autorités de la République démocratique du Congo sont en train de prendre depuis un temps. Pas plus tard que hier ou avant-hier, on a encore parlé des dizaines de morts. Frères, réveillons-nous. Ça tue chez nous, ça viole chez nous et ça massacre chez nous. Que devons-nous faire? Nous comme peuple, nous comme citoyens, pour que cette situation s'arrête. C'est quand même anormal que nous puissions vivre des situations comme ça et que nous ne puissions plus nous en émouvoir. Ce n'est pas du tout normal. Et moi, j'ai donc décidé de réserver les premières minutes, ou plutôt quelques minutes, à cette situation pour vous alerter, pour vous dire, vous, Congolais, ça tue et ça massacre chez vous. Deuxièmement, je l'ai fait aussi parce que je veux très sincèrement que nos compatriotes de l'Est de la République comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Pour exprimer mon attachement, ma solidarité et mon amour à ceux-là. On dit dans la langue de chez nous qu'on reconnaît de vrais amis pendant les moments de difficulté. Je voudrais être ces vrais amis qui viennent à votre secours, qui viennent vous soutenir. Soyez forts, restez debout. Le meilleur viendra et le meilleur est devant vous. Force à vous, ne perdez pas espoir, restez debout. On finira par nous en sortir par rapport à cette situation dramatique et par rapport à cette situation compliquée. Ici, je voudrais m'incliner et tirer mon chapeau pour un homme, le docteur Denis Mukwege. Je parle de lui demain parce que j'ai vu qu'aujourd'hui, les incompétents, les inconscients ont décidé tout simplement de saper l'honneur de ces messieurs. J'ai vu les gens s'en prendre de manière assez violente à ces dignes fils du pays. Alors je me suis dit, le régime de l'UDPS a entre autres pour mérite de nous descendre à un niveau où on commence même à oublier les valeurs des précieuses personnes que nous avons. Je parle du docteur Mukwege en passant certainement demain, mais je voudrais quand même le saluer là où il est et lui exprimer mon respect, docteur Mukwege Denis. On dit que on livre une guerre parce que... Bon, docteur Mukwege demain... Prenez votre mal en patience. Voilà ce que j'avais à dire sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Je reviendrai demain et j'en parlerai. Laissez-moi en venir à mon sujet. Mais bien avant, je vous donne une information sur Jean-Marc Kabound. À l'heure où nous parlons, l'ancien président ad intérim de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, qui est au pouvoir, se trouve toujours à la prison centrale de Makala. Il vous souviendra que le 12 août dernier... La chambre du conseil de la cour de cassation avait décidé de rendre un verdict demandant à ce que Jean-Marc Kabound quitte la prison pour une résidence surveillée. En fait, la cour voulait tout simplement rétablir Kabound dans ses droits. La cour voulait tout simplement revenir dans une situation de droit. Parce que le ministère public, c'est-à-dire le procureur près de la cour de cassation, a violé la loi. Quand vous lisez la loi portant procédure devant la haute cour, c'est-à-dire devant la cour de cassation, il est clairement renseigné que lorsqu'il s'agit d'un député national ou d'un ministre, et que le ministère public décidait de les placer sous mandat d'arrêt provisoire, ceux-là ou cette catégorie-là,
bénéficiant d'ailleurs des privilèges des juridictions, parce que c'est le privilège des juridictions qui les amène à être justiciables devant la Cour de cassation. Cette catégorie de personnes ne peuvent pas se retrouver à la prison parce qu'ils ont été placés sous MAP. Non. La loi leur ordonne un autre endroit pour pouvoir être placés sous MAP. On parle de l'assignation à résidence surveillée. Mais curieusement, le 12, le ministère public, le procureur, a décidé de placer M. Jean-Marc Aboud, poursuivi entre autres pour offense au chef de l'État, propagation des faux bruits, il y a un certain nombre de griefs qu'on retient contre M. Jean-Marc Aboud. Le procureur l'a placé sous MAP et l'a envoyé à la prison centrale de Makala. Quelques jours après, les avocats de Jean-Marc Aboud sont allés faire constater cette irrégularité, cette violation flagrante des lois auprès du conseil, de la chambre de conseil, qui par-dessus tout d'ailleurs leur a donné raison. Et la chambre de conseil a rendu un verdict obligeant au ministère public de pouvoir amener Jean-Marc Aboud dans une résidence surveillée. Mais depuis que le verdict a été rendu jusqu'à aujourd'hui, M. Jean-Marc Aboud est toujours en prison. J'ai essayé de m'informer sur la question. Il y a deux raisons majeures. La première raison, c'est que jusqu'à présent, le ministère public n'a pas encore trouvé un lieu pour placer Jean-Marc Aboud en résidence surveillée. Il y a des jurisprudences dans ces domaines, notamment le cas du député Jean-Bertrand Ewanga Issé-Ouanga, qui a été arrêté dans sa résidence au lendemain d'un meeting tenu avec les Martin Fayoulou à la place Sainte-Thérèse d'Injili. Il a été mis sous MAP et amené à Makala. À son temps, Obem Inakun Jalandjoku, président de l'Assemblée nationale, avait alors saisi la justice pour expliquer non, que le droit des députés ont été violés. Et on est allé chercher Jean-Bertrand Ewanga, Issé-Ouanga, vers la prison centrale de Makala pour l'amener vers, en résidence surveillée, à l'hôtel Invest de la RTNC. Il y a aussi le cas de notre député, le député Moukonkole, élu de Kabinda chez les Loumanou là-bas, qui lui aussi a été placé sous MAP au niveau de la prison de Makala, mais lorsque ses avocats ont fait remarquer la chose, il avait été enlevé et on l'a mis à l'hôtel qui est vers la haute cour militaire là-bas. Comment ça s'appelle? Hôtel Campo, il y avait un hôtel de ce côté-ci. Où on est allé placer Moukonkole en résidence surveillée. Donc, le fait que Jean-Marc Aboud se retrouve à l'heure où nous parlons en prison est une violation flagrante de ses lois, de ses droits. Mais on nous dit que le procureur dit que Jean-Marc Aboud est là en attendant de trouver une place. Mais Jean-Marc Aboud apporte la solution à la question. Rappelez-vous qu'à un moment donné, Matata Ponyo, avait un statut très compliqué. Il était en résidence surveillée et il était chez lui à ma campagne. Jean-Marc Aboud utilise donc ceci comme une sorte de jurisprudence pour dire, mais j'ai une résidence. Amenez-moi chez moi à Kingaboa et mettez les militaires pour me surveiller. Apparemment, c'est cette hypothèse-là que le ministère public ne veut pas. On veut placer Jean-Marc Aboud en résidence surveillée, mais on refuse que cette résidence surveillée soit sa propre maison. Or, Jean-Marc Aboud aussi, selon mes informations, a dit niette. Pour lui, la résidence surveillée suppose chez lui à la maison, mais surveillée, avec interdiction de sortir et d'entrer, pour lui, où l'entrée est aussi filtrée. Mais j'ai comme l'impression que dans l'entendement du ministère public, il est hors de question de placer Jean-Marc Aboud en résidence surveillée chez lui à la maison. Et ça coince à ce niveau-là. On a l'impression que les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur là où le député Jean-Marc Aboud doit être placé en résidence surveillée. Et Jean-Marc Aboud dit, selon ses proches, qu'il n'acceptera pas une autre résidence surveillée que sa propre résidence. Pourquoi ? Parce qu'il dit dans une autre résidence, il se sent beaucoup plus en sécurité à Makala, où il y a plusieurs personnes, que dans une résidence où on va aller le placer, sans que lui ne puisse avoir le contrôle du lit, le contrôle de ceci, le contrôle de cela. Baba, homme politique, donc pour lui, le seul endroit où il peut vraiment être en résidence surveillée, mais aussi ne pas douter des conditions sécuritaires, n'est pas
douter du fait qu'on peut s'organiser pour lui faire du mal. Ses proches parlent de poison, ils parlent d'un certain nombre de choses. C'est chez lui à la maison. Soit vous m'amenez en résidence, surveillez chez moi à la maison, soit vous me laissez à Makala. Donc, on est encore en train de suivre la situation. Rien n'est encore définitivement décidé. Certainement que je viendrai, je vous donnerai encore de plus amples informations. Mais voilà l'information, les raisons d'achoppement entre les deux parties pour le moment. Et je crois, moi triste sincèrement, que pour respecter la loi, Jean-Marc Kabound a eu une résidence connue. Cette résidence-là n'a pas 1000 sorties. Il n'a pas une sortie sous-sol où il peut fuir. Je pense que l'idéal, c'est de pouvoir prendre Jean-Marc Kabound et de le remettre chez lui à la maison et de faire de cette maison-là une maison surveillée. Ils ont surveillé la maison de Matata ici. Ils peuvent aussi le faire avec Jean-Marc Kabound. Mais ils ont décidé peut-être pour l'humilier, les laisser à Makala. C'est ici que je voudrais rappeler à ceux qui se plaisent aujourd'hui à violer les droits des gens, à ceux qui estiment aujourd'hui que force doit être non pas la loi, mais il faut plutôt appliquer la loi de la force. Parce qu'ils ont le contrôle de la force publique aujourd'hui. Parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont les services de sécurité et des renseignements. Ils utilisent ça non pas pour réformer le système, pour apporter un mieux-être au peuple, mais pour imposer leur loi aux autres. Les amis, le monde est une roue. Mokiliali Mbanga Taba. Je vous dis toujours, si nous nous faisons du mal, c'est parce que d'une certaine manière, nous sommes amnésiques. Nous ne comprenons pas que le monde ne commence pas avec nous et le monde ne va pas se terminer avec nous. Ce n'est pas parce qu'on est de l'entourage du président de la République aujourd'hui qu'on doit faire trembler les gens. On oublie qu'avant nous, il y a eu d'autres entourages qui ont aussi fait trembler les gens, mais qui ne sont pas là. De même que ceux qui étaient là avant vous sont passés. Certains sont en exil aujourd'hui. Alors qu'ils étaient des hommes forts, ils faisaient trembler les gens. De même que vous, votre tour viendra aussi. Mais pour que nous soyons en sécurité, nous tous, pour que nous puissions nous protéger les uns et les autres, j'ai toujours prêché pour l'édification d'un État moderne. Et pour moi, un État moderne est un État dans lequel les droits prennent les pas sur les individus, c'est un état de droit. J'ai toujours dit, au fond d'aujourd'hui, les amis, ce n'est pas vos positions qui vous protégeront. Non. Il y en a qui font du mal parce qu'ils sont les frères d'aujourd'hui. Rassurez-vous, le principe et le texte nous protégeront mieux que nos positionnements. Parce que le principe, une fois que nous les mettons en place, que nous mettons plutôt en place un système de respect, un système de coercition pour tout délinquant qui violerait ces principes, vous allez voir que le principe vous protégera aujourd'hui, que vous soyez fort ou faible. Mais nous faisons souvent l'erreur de croire que nos positions peuvent nous protéger mieux que les textes et mieux que le principe. Or, les positions sont changeantes. Aujourd'hui, vous êtes fort, demain, vous pouvez être faible. Créons des sociétés modernes. Créons des sociétés où le principe, le droit, prend les dessus sur nous tous. Parce que le droit, le principe, nous protégera mieux que toute autre tentative. Voilà. Les amis, laissez-moi venir à mon sujet du jour. Que vous le vouliez ou pas, chers frères, je vous dis la vérité en vous regardant en face. Que le régime de l'UDPS, le régime de Tshisekedi, nous a démontré que dans la vie, il ne faut jamais faire confiance aux gens qui parlent beaucoup. Dans la vie, je ne dis pas il ne faut jamais faire... c'est parce que je voulais dire. Dans la vie, il ne faut jamais faire confiance aux gens qui attirent votre confiance par la parole et non pas par les actions. Laissez-vous convaincre, chers compatriotes, par le comportement, par les actions, plutôt que par les propos. Parce qu'en réalité, si on est sérieux avec nous-mêmes, si on ne devait que s'en tenir aux déclarations, aux promesses, l'UDPS aujourd'hui au pouvoir, le Congo devait être le pays où il fait beau vivre. Pendant 37 ans, les amis, je parle des 37 ans, je ne sais pas vous avez quel âge vous, mais moi, je parle des 37 ans. Si vous êtes jeune,
Ça veut dire que l'UDPS a commencé à nous faire rêver, vous n'étiez pas encore né. Si vous êtes vieux, prenez votre âge à lever 37 ans. Aujourd'hui, ça fera même 40 ans. Prenez votre âge à lever 37, 40 ans. Vous allez vous rendre compte que vous étiez encore là-bas. Très jeune. Mais pendant 37 ans, ces gens n'ont pas arrêté de nous faire rêver. Ils n'ont pas arrêté de nous parler de l'état du droit. Ils n'ont pas arrêté de nous parler du principe du peuple d'abord. Le peuple d'abord est un principe qui voulait tout simplement dire que nous, UDPS, une fois au pouvoir, nous mettons l'intérêt collectif, le bien-être du peuple, au-dessus de la quête des intérêts individuels. L'amour, l'abandon pour la nation, la recherche du bien de la nation prendra le pas sur notre enrichissement personnel. Et l'état des droits voulait tout simplement dire que nous, UDPS, au pouvoir, les principes et les textes, le droit, la loi, sera plus important et sera placé haut que les intérêts et les individus des gens. Ce sont là les deux éléments qui ont fait que le combat de Tshisekedi, que l'histoire de l'UDPS soit respectée, que les Congolais puissent d'une certaine manière croire, rêver qu'une fois que l'UDPS arrivera au pouvoir, les choses vont changer. Mais je vous dis de croire aux actions plutôt qu'aux propos, parce que 4 ans après l'arrivée de l'UDPS au pouvoir, on s'est rendu compte que c'était tout simplement de la démagogie. L'UDPS a abandonné le combat du peuple d'abord. L'UDPS a abandonné le combat pour l'état de droit. Le peuple d'abord est devenu moi d'abord, mon ventre d'abord. L'état des droits est devenu l'affaire de Bokeba, Maloko et Kofungwama. Ne me critiquez pas ce que Bomeki, Maloko wana, ce que Tonda et Tonda, Bakamwa Mama wana. Donc l'état des droits n'existe plus. L'UDPS a installé un régime despotique où les humeurs d'un individu, le vouloir d'un individu est transformé en force de loi. C'est comme ça, Monsieur Jason, c'est comme ça que j'ai dit, everything is okay. Les actions doivent nous convaincre plus que nos propos. Les actions doivent nous convaincre plus que nos propos. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça parce que il y a un autre mensonge, un autre slogan que l'UDPS a mis sur la balance. C'est le slogan de la réduction des trains de vie des institutions. Les amis, si vous ne le savez pas, sur le budget de votre pays, la République démocratique du Congo, 70 ou 80% de ces budgets-là sont affectés au fonctionnement des institutions de la République. Une partie au paiement. Donc quand on sait que même en termes de paiement, ce sont ces institutions-là qui sont les mieux payées. Donc vous élaborez un budget dans un pays normal. Des gens qui veulent être sérieux, vous prenez l'essentiel de votre budget, vous l'affectez au fonctionnement des institutions. Tout le monde sait que dans ce pays-là, si vous voulez devenir rapidement riche, il faut faire la politique. Si vous voulez vous enrichir de manière illicite, il faut faire la politique. Kamere vous a dit, aujourd'hui vous êtes au cabinet de M. Tshisekedi. Quand il arrive, il trouve Kabila avec 300 personnes dans son cabinet, 300, moins de 400. Tshisekedi aujourd'hui a plus de 1000 personnes. Je dis plus de 1000 personnes. Ces gens sont payés de manière extraordinaire. Ils sont payés plus que les directeurs des cabinets des ministères. Ils sont plus de 1000 au cabinet de M. Tshisekedi. Alors que vous en conviendrez avec moi que ce cabinet-là, que cette présidence est une des présidences médiocres depuis que l'histoire de la présidence existe. Ils sont nombreux et ils ont fait perdre à la République ses lettres de noblesse, à la fonction du président de la République, ils l'ont déshabillé. Mais une autre institution, les amis, une autre institution, symbole du pillage de nos ressources, symbole de l'amour de l'enrichissement illicite, symbole
de la recherche du bien-être individuel au détriment de la population et de l'intérêt collectif, c'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale. UDPS nous a fait croire que les députés qui sont là n'ont pas été élus, pour la plupart ils ont été nommés. Mais aujourd'hui, regardez le fonctionnement de l'Assemblée nationale et vous allez vous rendre compte que cette Assemblée nationale, je pèse bien mes mots, inutile. Vous voulez que je répète, cette Assemblée nationale, inutile. Cette Assemblée nationale des bouffons. Ce qui s'est fait là-bas, c'est une bouffonnerie, les amis. Ça fait 4 ans qu'ils sont là, qu'ils vous disent quelles sont les lois qui ont été votées pour améliorer vos conditions de vie. Quelles sont les lois qui ont été votées? Quels sont le contrôle parlementaire? Quel ministre est tombé là-bas? Ils ont fait tomber le ministre de l'économie pour des raisons qu'eux-mêmes connaissent. Combien de lois? C'est devenu une scène de théâtre. L'UDPS a déshabillé les institutions de l'État. Le pays est en chute libre, les amis. Je vous l'ai dit la dernière fois, on est parti avoir un parlement avec des gens comme Iléo, déjà au lendemain de l'indépendance. Après, nous avons eu des Tshisekedi Wamulumba, les professeurs Liaou. Des gens constitués psychologiquement, physiquement, très bien constitués. Après, vous avez eu des parlements de Olivier Kamitatou, Vital Kamere, Evariste Boshab, Mabouch Mabileg, Obin Minaku Njalanjoku. Voilà les députés qu'on avait. Le parlement d'Henri Thomas Lokondo. Le parlement de Délice et Sanga. Aujourd'hui, vous avez le parlement de Daniel Safou. Vous voyez d'où on est parti. Où le parlement, l'Assemblée nationale est devenue une scène de théâtre. On quitte ces gens-là pour avoir aujourd'hui le parlement de la bouffonnerie. Et c'est ce parlement des bouffons qui nous bouffe de l'argent. Et aujourd'hui, je vais prendre un cas typique qui symbolise ce que je suis en train de dire. C'est le cas du professeur André Mbata. J'ai écrit un article détaillé que vous pouvez lire sur notre site. Seppelnews.net. S'il vous plaît, allez lire. Je rappelle que vous pouvez aussi retrouver l'article sur ma page Facebook Perro Louara officiel. Vous pouvez aussi vous abonner là-bas. Jean-Marc Kabound Akabound, excusez-moi, vice-président de l'Assemblée nationale, déchu par l'UDPS, a fait une conférence de presse qui l'amène en prison, dans laquelle il nous expliquait que le régime de Tshisekedi était un régime des incompétents, un régime des détourneurs, un régime des jouisseurs. J'ai vu certains charlatans se répandre dans des chaînes de télévision, expliquer que Kabound lui-même c'est un jouisseur, Kabound a conçu des maisons, Kabound est ceci, j'ai vu. Et là aussi j'avais dit à ces gens-là, taisez-vous. Parce que si vous critiquez Kabound aujourd'hui, vous auto-flagellez. Pourquoi avoir attendu que Kabound claque la porte pour se rendre compte que Kabound était un jouisseur et détourneur? Mais Kabound est parti sans partir. Le maître nageur a une incarnation à l'heure où nous parlons. Il s'est incarné en un homme qui s'appelle André Mbata. En quelques mois, les amis, Mbata s'est enrichi et continue à s'enrichir de manière illicite au vu et au su de nous tous. Je vais lancer un défi vers la fin de cette émission à Augustin Kabuya. Au folklore, comment il s'appelle notre ami folklorique ici, celui qui fait des discours, qui fait de la politique folklore, Justin Bitakwira. Eux qui
sont montés au créneau pour critiquer Jean-Marc Aboud, pour dire qu'il s'est enrichi. Mbata est en train de s'enrichir autant que Jean-Marc Aboud. Si vous êtes sérieux, il faut tirer les leçons. Il ne faut pas encore attendre aussi que Mbata quitte l'UDPS pour venir crier, les amis. Mbata, en quelques mois, depuis seulement le départ de Kabound, les amis, c'est le nouveau riche. Je veux vous amener les adresses ici. Où Mbata est entré d'acheter des maisons comme des petits pains. Et sa commune de prédilection s'est limitée. Des villas conçues en quelques mois. Vous êtes là, l'UDPS. Où Mbata trouve tout cet argent-là pour s'acheter des maisons comme il est en train d'acheter. Mbata vient à peine de remplacer Kabound. Mais les amis, vous savez combien Mbata touche. Mbata, comme vice-président de l'Assemblée nationale, touche par mois, comme émolument en tant que vice-président de l'Assemblée nationale, 200 000 dollars américains. Je vous regarde, je parle de 200 000 dollars américains. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, il a encore le même traitement que Kabound. Mbata a par mois 200 000 dollars d'émolument. Un seul individu, parce qu'il est proche de Tshisekedi, parce qu'il s'appelle André Mbata, lui, par mois, il gagne 200 000 dollars américains. Dans un pays pauvre, en guerre comme la République démocratique du Congo, on paye à un individu 200 000 dollars américains. 200 000 dollars américains pour ses émoliments. Mbata a 100 000 dollars américains chaque mois qu'il reçoit comme prime. Gracieusement d'ailleurs, il reçoit ça comme prime de bonnes, de dignes et franches collaborations avec le président. Donc là, c'est Mbosso lui-même qui donne 100 000 dollars. Parce que vous m'aidez, vous coopérez, vous compliquez, 100 000, ça te fait 300 000 dollars. En dehors de ces 100 000 de primes, Mbata a 55 000 dollars de FCR, Fonds Secret des Recherches. 200 000 dollars de monuments, 100 000 dollars de primes, de collaboration, 55 000 dollars de fonds secrets de recherche. Seulement pour Mbata que vous voyez là. Et il y a une autre escroquerie, un grand pillage. Par mois, ils reçoivent 500 000 dollars américains de Samalou Kondé. Je parle de 500 000 dollars américains. Ces 500 000 dollars américains là servent à gérer les députés, les humeurs des députés. C'est une manière d'engraisser les pattes pour que les députés ne dérangent pas son gouvernement. Samalou Kondé est obligé de verser 500 000 dollars de corruption pour calmer le bureau, pour appeler les bureaux à calmer les députés. Et à son temps, cet argent passait par les mains de Kabound. Je dois vous avouer que mes enquêtes démontrent qu'à l'époque de Kabound, cet argent était régulier, très régulier. Surtout quand ils ont fait leur coup pour voler la majorité parlementaire à Joseph Kabila. Aujourd'hui, j'ai enquêté là-dessus et il ressort que l'argent continue à sortir, mais avec certains intervalles. Comment un pays en guerre, un pays en situation de banqueroute comme le nôtre, un pays en crise comme le nôtre, peut-il se permettre de dépenser autant d'argent pour des individus qui ne foutent rien? Congolais, regardez-moi en face, est-ce que vous êtes fiers de ce parlement? C'est un parlement inutile. Une scène de théâtre où les bouffons vont faire leur piterie là-bas. Il y a quoi dans ce parlement-là pour que la République dépense autant d'argent? Le parlement, l'Assemblée nationale, les amis, est un organe de pillage de vos ressources. Fonctionnaires, réveillez-vous. Les députés qui sont là-bas, qui ne foutent absolument rien, nous saignent. Le bureau de Mbosso saigne de l'argent. Ils pillent nos caisses. Et aujourd'hui, le nouveau riche Mbata est en train d'acheter des maisons. Regardez son train de vie. Regardez ses coutures. Les vestes haute couture. Les montres. Vous êtes là. Mbata touche 200 000 dollars d'émoluments par mois. 100 000 dollars des primes, des collaborations avec le président, 55 000 dollars de fonds secrets des recherches et 500 000 dollars que Samalou Kondé envoie pour la gestion des députés de l'Union Sacrée. La République des détourneurs, des jouisseurs, des gens qui sont là pour parler, pour ne rien faire. Et à l'heure où nous parlons, Mbata André, c'est professeur de droit constitutionnel, qui n'a pas encore écrit des livres et des références dans son domaine, mais qui donne des leçons aux autres, et
est aujourd'hui en train de s'enrichir illicitement, rapidement et personnellement devant nous tous. Personne ne dit rien. Personne ne dit rien. J'ai déjà fait combien de minutes je suis en train de parler? Déjà? Oh là là, je suis déjà à la 45e minute. Ici, je l'ai dit pourquoi? Parce que je vais poser la question à Augustin Kabouya, l'ancien Kadhafi, vendeur de carburant, qui est aujourd'hui devenu aussi nouveau riche dans ce régime. Lui qui s'est attaqué à Jean-Marc Kabound en disant, on n'a pas de laissons à recevoir de Kabound. Kabound lui-même, c'était un justeur, c'était un détourneur. Je veux poser la question à l'homme du folklore, le très folklorique, Justin Bitakwira. Qu'est-ce que sa grand-mère dit? Parce que lui aussi s'est attaqué à Kabound. La grand-mère d'Augustin Kabouya est là pendant que Mbata, qui remplace Kabound, est aussi en train de s'enrichir violemment et de manière arrogante devant nous tous. Comme si le détournement, quand on est proche de Tshisekedi, n'est pas détournement. Comme si la jouissance devient jouissance quand on quitte Tshisekedi. Ils étaient avec Kabound, ils connaissaient les pratiques de Kabound, ils n'ont rien dit. Ils ont attendu que Kabound quitte l'UDPS, qu'il fasse sa conférence de presse pompeuse pour dénoncer les pratiques de leur régime, pour qu'ils viennent nous dire, écoutez, nous n'avons pas de laissons à recevoir de Kabound. Kabouya, Augustin. C'est le moment de dénoncer Mbata. Justin Bitakwira, c'est le moment de dénoncer André Mbata. Vous êtes nombreux. Bino Watubole, Kibolobio, Yazamo Yibi, Yazamo Yip. Mbata est en train de s'enrichir. Je prends le cas de Mbata parce que Mbata est l'incarnation de Kabound. Il fait du Kabound sa Kabound devant nous tous. Comment on peut expliquer qu'on donne autant d'argent à un seul individu? Maintenant, je vais plus loin. Si on... comment il s'appelle? André Mbata, qui n'est que premier vice-président, gagne autant d'argent. Que dire alors de Mbosso? Que dire alors de Mbosso? Bon, moi, ils viennent de la zone jeune. Mbongo, Bazanga Mawa. C'est leurs propres intérêts qui comptent. Maman Marie avait raison quand il criait Mbosso, 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 yo, Mbosso. Maman Marie avait raison. Baza batote, mite mama be. Mbosso, vous avez vu, un papy de presque 80 ans, regardez comment il vit aujourd'hui. Il est un djaloliste, lui qui devait prêcher par la sagesse. A comme il roule à Mutumoko, sur l'autant combat Tshisekedi, on dirait Tshé Manzaka. Ce n'est pas de l'amour pour Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui est amnésique et qui croit qu'un Mbosso peut l'aimer. Mbosso peut lui être loyal. Tel Mbosso. Il a travaillé avec Mobutu, il a travaillé avec Kabila, il était là, il les a abandonnés. Et tu sais qu'il croit que Mbosso peut lui être loyal. Mbosso est loyal à l'argent. Mbosso gagne des millions. L'Assemblée nationale est une structure de pillage de nos ressources congolais. Cette histoire de bouffons, des députés qui ne foutent rien. Ils sont là, ils ne foutent absolument rien, les amis. Mais ils gagnent de l'argent terriblement. Ils sont en train de piller, de saigner le caisse de l'État. Et moi, ce qui m'énerve dans cette affaire, c'est le silence de l'UDPS. C'est le silence de l'Union Sacrée. Bafandi. Comme Mbosso, Azoroyembe Labango. Fatina Bati, Beton à Beton. Fatina Fati, Beton à Beton. Comme André Mbata. Livre à Malonga, comment tout le monde a été. A tellement qu'il y a tant que Boshaba a commis livre. Boshaba, quand ça arrive, quoi. Boshaba a écrit son livre entre la révision de la constitution et l'inanition de la nation. Mbata a télémé. Boshaba a bien abîmé, papa. Je ne suis pas sur un terrain politique sans avoir lu même le livre de Boshaba. Mbata s'est levé ici. Non! Boshaba a dit, monsieur, vous vous dites professeur d'université. Vous êtes soi-disant mon collègue professeur.
J'ai écrit un livre de 470 pages. Je crois que ce livre-là, c'est plus de 400 pages. Un livre scientifique. Vous venez, vous dites que ce n'est pas ça. Répondez-moi par un autre livre. Écrivez un livre qui me contredit. Mbata, jusqu'aujourd'hui, a été incapable de produire un livre de 10 pages pour contredire le livre de Beauchamp. Incapable. Mais on les voyait sur la télé. Ne touchez pas à ma constitution. Ne touchez pas à ma constitution. Dans le folklore de l'UDPS. Et il a réussi à nous emballer, nous tous, comme ça. Aujourd'hui, qu'ils sont au pouvoir, on commence à comprendre qui ils étaient. Il nous a emballé, nous tous. Comment livre, Mouninga, comme il livre? Non. Maintenant, ils sont au pouvoir, ils sont en train de s'enrichir. Bafandi nié. Bazoze la Moukolombata, Roulonga, la UDPS. Moukolombata, Roubandolo, Bakonte, Tshisekedi. Néo, Komona, Kabouya. Il va appeler une matinée politique pour raconter sa vie comme il a l'habitude de raconter. Honte à vous, régime des jouisseurs, des détourneurs, des incompétents. Régime des gens qui travaillent contre les intérêts de leur peuple. Des gens qui mettent en avant l'intérêt individuel. Congolais, mettons-nous debout. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Chaque seconde, chaque minute que ces jouisseurs passent à la tête de notre pays nous met en danger. Nous devons nous lever pour leur barrer la route, ces jouisseurs. Ils ont assez volé comme ça. Ils ont assez volé comme ça. Aucune vision, aucune initiative. Ils n'améliorent rien. Ils ne sont pas là où ils devaient être pour le pays. Ils sont seulement en train de chercher l'argent. Kabunda l'ominabe boami yibi. Bayi babiso na ramu mabe. Bayi babiso na 100 jours mabe. Bayi babiso sikona. Bango action na bango. Gouvernance nyo se tourner sur Moïbi. Gouvernance nyo se tourner sur Moïbi. Régime abami yibi. Régime abami yibi. Vous payerez ça. Ce que vous êtes en train de faire, vous allez payer ça. Et le temps viendra où vous allez. Baki manguna baki panvita babi manasa ma belé. Bako diembla binou la ma kolopo bo futa ma rambo sal. Honte à vous. Les amis, l'émission est terminée. Grand merci à vous de nous avoir suivis. À demain. Bonsoir chez vous. Je recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.